Et salut à tous, c'est Camille, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Paradise. Donc je suis désolée, je sais que cet épisode est un petit peu long à venir, mais après ce déconfinement et la reprise du boulot, je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps. Donc écoutez, tout de suite, la suite de l'aventure. Alors les amis, comme je vous le disais, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, j'avais pas trop le temps, donc je vais quand même avancer, il n'y a pas de souci. Alors, on en était où? On en était qu'on venait de sortir de chez le coiffeur, et on avait récupéré cette hélice. Donc, il me semble qu'à la fin du dernier épisode, on avait vu une cinématique qui montrait que Hassan, je crois qu'il s'appelait Hassan, le garagiste, venait de se faire assassiner. Celui qui était en train d'essayer de nous réparer une épave, parce qu'on avait besoin d'un véhicule pour partir de cette ville. Je crois que nous sommes dans la ville de Madargan, si je me souviens bien. J'espère que ma mémoire n'est pas trop défaillante. Et nous avons dans notre inventaire, ça c'est une vieille carte, un appareil photo, la carte de la Morani, le livre d'Anne Smith, le briquet, ça c'est quoi, un vieux document. Ah oui, ça c'est un document, il me semble qu'on avait retrouvé, justement dans une épave d'avion. Notre épave d'avion avec lequel on s'est écrasé. Ça c'est une pompe manuelle, je sais même plus si elle nous a servi ou pas, on verra tout ça. Ça c'est un journal qu'on a trouvé je crois dans le bar de la ville. Une pellicule. Le laissez-passer. Donc c'est vrai que dans le dernier épisode on avait réussi à faire développer une photo de nous pour le laissez-passer. Et il nous manquait il me semble la signature du prince. D'abord je vais aller voir le garagiste. Parce qu'il reste du garagiste. Je crois que c'est par là. Ici, ok. De l'autre côté, je crois que c'est la zone où on ne peut pas accéder. Alien Smith. D'ailleurs, on nous avait révélé, il me semble, le vrai prénom de notre héroïne, pardon. Et c'est le choc. Donc, on n'a rien à récupérer chez lui? Enfin, sur lui, plutôt. Non. Est-ce qu'il y a eu du dégât? Alors, l'épave, il me semble qu'on l'avait déjà visité, parce qu'on y avait trouvé le document qui est à moitié brûlé. Qu'est-ce qui marquait sur le document? D'ailleurs, je ne me rappelle plus. Monsieur l'ambassadeur Bingono Mekulu, ambassadeur de Morani, 36 rue des Pinsons, Genève. Mademoiselle, je me permets de vous, on ne sait pas quoi. L'ambassadeur de Morani, disposition d'un avion pour vous. De là, un place vous attend. N'hésitez pas à me contacter si vous avez, en espérant avoir bientôt de vos nouvelles. Votre dévoué serviteur, Bingono Mekulu. Ok. Donc je pense que c'est lui qui nous avait écrit. Et il n'y a absolument plus rien à récupérer dans cet avion. Alors là nous avons notre véhicule. Donc il me semble qu'on y avait mis une batterie. D'ailleurs, on a récupéré l'hélice. Ok, parfait, l'hélice. Donc, batterie, ventilateur. Voilà, je sais qu'on a une pompe manuelle et il me semble que c'est pour mettre de l'essence. Mais... j'ai l'impression de ne pas savoir m'en servir. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Déjà, dans un des épisodes, il me semble que j'avais essayé. Et je ne sais pas. Ou alors, il faut que je le mette quelque part. Ah, d'accord, ok. Il fallait que je la place sur l'embout du bidon. Donc du coup, ok. Et maintenant... Je ne peux pas accrocher ça directement au réservoir. Où est le réservoir d'essence? Ça, c'est le moteur. Ça,
c'est le cockpit. Ok, je ne sais pas. Où est le réservoir? Il y a pas, on peut pas accéder au réservoir d'essence? Non. Non plus, c'est le même truc. Ça, c'est le moteur. Ah, on n'a pas de roue aussi. On n'a pas de roue. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, à moins qu'on doit récupérer un bidon. On verra plus tard. Écoutez, déjà, on a avancé. On a mis notre ventilateur, on a mis la pompe sur le bidon. Et du coup, on va essayer de faire signer le papelard. Hein. Fais voir, qu'est-ce qu'il y a marqué? On peut pas le regarder? Là, j'aimerais pouvoir observer. Je ne peux pas. Bon. Écoutez, je pense qu'on va retourner au palais pour essayer de faire signer notre document. Et débloquer la zone de la ville où on n'a jamais été encore. Alors attendez, l'entrée du palais, c'est pas ici? C'est quoi ce délire? Je peux pas rentrer dans le palais? Attendez. Ça c'est quoi? C'est pas la porte ça? Bébé. Attendez, je comprends pas. Quand on est sorti du palais, on est arrivé ici, on était là. Donc, où est l'entrée? C'est très bizarre les amis, c'est très très bizarre. Je ne peux pas aller de l'autre côté là? Ok, bah écoutez, je vais chercher et dès que je trouve, je vous reprends parce que je vais pas vous faire galérer pendant des lustres. A tout de suite les amis. Donc les amis, je vous reprends ici parce que je me baladais, j'arrivais pas à rentrer dans le palais et j'ai découvert qu'on pouvait tout simplement traverser et aller à la nouvelle zone sans le laisser passer. En tout cas, on peut y aller nous à pied, donc on va visiter tout de suite ce nouvel endroit. Au fait... Bonjour, je voudrais traverser ce fleuve et... Aujourd'hui, tout le monde veut partir, mademoiselle. Pourtant, notre roi va venir à notre secours par le fleuve. Son armée est prête. Ses soldats sont des lions. Ils attendent leur heure dans le ventre du coffre noir. Le coffre noir? Noir comme la nuit, ma belle. C'est le palais de notre roi. Le coffre noir navigue sur ce fleuve qui coule à nos pieds. Il remonte puis redescend tout son cours sans cesse.
ce fleuve traverse toute la Morrhanie comme un serpent. Rodon veille ainsi sur notre peuple depuis son bateau. C'est commode. Donc lui, c'était un fervent de Rodon, quoi. Donc entre ceux qui sont contre le roi actuel et pour, lui, en tout cas, il est pour, apparemment. C'est un navire énorme. Rends-toi compte, étrangère. Tous les ponts qui enjambent le fleuve doivent pouvoir se relever pour le laisser passer. C'est aussi une citadelle invincible. Un destroyer puissant couvert de canons que Rodon placera en travers du fleuve pour barrer la route aux envahisseurs et protéger Madargan. On dit que le coffre noir cache toutes les richesses de la Morrhanie dans ses flancs. Notre roi n'a jamais volé son peuple. Il ne faut pas dire ça. C'est notre roi. Eh bien, à plus tard, messieurs. Je te le dis. Ne t'inquiète pas, étrangère. Rodon, notre roi, va venir. Ok, donc c'est vrai que les rebelles, je vous le répète encore, pour ceux qui prennent le let's play en cours, ce qui est un peu bête quand même, je vous invite à regarder quand même depuis le début pour connaître un petit peu l'histoire et comprendre. Donc c'est un pays qui est en guerre parce que, je crois que, enfin, de ce que j'ai compris en fait, je pense que le roi Rodon est un roi assez dictateur, quoi. C'est un petit peu, enfin voilà. Et du coup, les pays d'à côté se rallient un petit peu pour, du coup, pour reprendre le contrôle un peu, enfin, prendre le contrôle de la Morrhanie. Et donc, du coup, les rebelles, eux, vont rentrer dans le pays et sont pas très loin de, du coup, de la ville de Madargan. Et donc, il y a ceux qui sont pour Rodon, espèrent être sauvés par le roi, et les autres, eux, espèrent que le pays va changer. Voilà. On n'en sait pas plus pour l'instant. On sait que c'est un petit peu entre deux feux et entre deux idéologies, quoi. Salut. Salut, moi c'est Mokhtar. Qu'est-ce que tu fais ici au bord de l'eau? Tu vas pas à l'école? J'aide les bateliers à charger et décharger. J'aime pas l'école. Tu fais un travail fatigant pour ton âge. La saison des orages arrive. Le fleuve va se transformer en torrent et les bateaux resteront à quai. Je serai au chômage et je me reposerai. Mokhtar, tu n'es pas le frère d'Aïcha, la servante du palais? Oui. Et toi, tu es Anne Smith, celle qui est tombée avec son avion. Ma sœur m'a beaucoup parlé de toi. Tu pourrais m'aider à transporter ces pneus chez le garagiste? J'ai un camion à réparer. Ah oui, bien sûr. Ma sœur m'a dit que tu allais entreprendre un long voyage. Oh, ben parfait, c'était simple en fait. Merci Mokhtar. Ah putain, c'est cool. Ok, bah écoutez, il s'occupe des pneus pour nous. C'est parfait ça. Est-ce qu'il y a autre chose à voir ici? On va quand même regarder, non? D'accord, donc les quais, on n'en voit pas grand chose quoi. Ah, donc il a mis les pneus. Nickel. Moi j'ai toujours un souci quand même avec le réservoir, hein, franchement. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a une manipulation à faire, mais je cherche ce satané réservoir.
Parce que du coup, on a trouvé la pompe à mer. On a branché ça sur l'essence, le baril d'essence. Mais... Et je ne vois pas le réservoir. Donc, pour l'instant, non, il n'y a pas d'essence dans cette charrette. Ah bah si. Ok, si, il y avait déjà de l'essence. Enfin, je pense. Est-ce qu'il y a de l'essence? Je ne comprends plus rien. Ah. Ok, d'accord. Bon. Là, normalement, le véhicule est topé. On a la batterie. Ok les amis, bon d'accord, j'avais pas compris en fait que tout simplement on pouvait pas rentrer dans le palais. Moi il me semblait qu'on pouvait rentrer dans le palais, dans mes souvenirs, mais pas du tout. Comme quoi je m'en rappelle pas du tout de tout, hein, donc du coup on va essayer d'aller voir le prince cette fois pour avoir cette autorisation, qu'il puisse nous la signer. Alors attendez, j'espère que y a une porte qui sera plus rapide d'accès, donc là peut-être. Parfait. Bon. Je n'ai pas de raison de lui offrir ceci. Ah bon? Bah si. Il faut qu'il nous la signe, je comprends pas. Pour ce voyage, je n'ai ni voiture, ni matériel, ni même quelques provisions. Tu es désormais libre de quitter ce palais. Tu es débrouillarde. Tu trouveras tout ce qu'il te faut en ville. À plus tard? Ben oui, justement. Attends, je comprends pas, alors. Je refuse de lui donner cet objet. Bon, j'ai absolument rien compris, apparemment. Je ne sais pas. Je pensais qu'il fallait vraiment faire signer une autorisation, mais je suis restée bloquée là-dessus, moi, pendant un moment. Hein. Enfin, écoutez, on va voir. Il me semble qu'il faut que l'on puisse charger la panthère et le léopard dans le camion. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un mécanisme, donc... Attendez, là. J'ai dû oublier quelque chose. Oui, on a oublié quelque chose, ça c'est sûr. Alors... Tu veux pas nous parler, toi? Non? Ah, si? Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Tu es l'étrangère qui a eu l'accident d'avion, c'est ça? Moi, c'est Mustapha. C'est vous qui vous occupez de ce léopard, Mustapha? Je lui donne à manger, je le sors le soir, je le rentre le matin, je nettoie la cage. Oh, c'est curieux. Un fauve dans un jardin. Comment s'appelle-t-il? Il n'a pas de nom, alors je l'appelle pas. Je siffle, il sait que je viens le voir, c'est tout. Le léopard est apprivoisé? Ça dépend des jours. Il est surtout très malin. Un jour, il a arraché le bras d'une fille. Pourquoi les gens quittent la ville, Mustapha? Les rebelles sont des hommes méchants, mademoiselle. Ils viennent du nord pour tuer tout le monde. Il faut que je vous quitte. Ok, bon. Attendez, il y a déjà un truc à faire, je crois, là. Est-ce qu'on avait ouvert ce truc? Non. Je crois qu'il nous faut l'ouvrir. Ce que je veux dire, c'est que ça doit bien servir à quelque chose de pouvoir faire cette manipulation, hein, donc...
Bon, écoutez, on va voir. J'espère que je vais pas trop galérer à ouvrir la cage. Alors, il est là. Là, il y a rien à faire. Le mécanisme, il doit être un petit peu plus en haut. Ah, mais il nous faut une clé. Il nous faut une clé que l'on n'a pas. Ça, c'est un briquet, ce n'est pas une clé. Parce que je pense que les commandes doivent être au bout. On va retourner voir Mustapha. J'espère qu'il pourra nous aider. Je sais pas quoi dire d'autre qui peut vous intéresser. Bon. On va retourner voir le prince. Voilà. Je pense que je suis prête à partir, prince. Je vois. N'oublie pas ton compagnon de voyage. Ceci te permettra de le libérer de sa cage. Ah, ok, voilà, il m'a donné la clé. À bientôt. Donc, on va peut-être y arriver. Je pense que l'épisode va durer un petit peu longtemps. J'aimerais bien quand même récupérer le léopard avant de finir cette petite vidéo en votre compagnie. On va essayer de faire au plus vite et de ne pas trop galérer. Encore le briquet. Voilà. Allez, ma grande, tu peux le faire. Elle a du mal, hein. Franchement. Alors. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je ne comprends absolument rien. Faites voir, il y avait un levier là. Ok, il faut peut-être vider l'eau pour faire marcher le mécanisme.
C'est pas bon. On voit bien que ce n'est pas bon. Il faut que ça, on arrive à le mettre droit. Mais j'ai l'impression que ça bouge pas, donc je comprends pas. Je sais pas à quoi ça correspond ça. Est-ce qu'il faut qu'on suive la piste par le temps ? Ça va être une galère, une grosse galère. Je comprends absolument pas le mécanisme en plus, c'est ça le pire. Y'a pas un indice là, un truc à... Je sais pas, je sais absolument pas. Ah. On y arrive, il faut faire des manipulations un petit peu au pif. Et au bout d'un moment ça paye quoi, mais franchement c'était pas gagné, je me suis dit voilà, je vais passer des plombes. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors je sais qu'on n'a pas énormément avancé non plus dans cet épisode. Hein. On a un petit peu cherché, tourné en rond. Enfin, en tout cas moi, je vais certainement vous le couper au montage, mais moi j'ai un petit peu tourné en rond. Donc sur ce, je vous dis à tous, bye bye et à très bientôt pour la suite de Paradise. Bisous bisous!